Direction Compiègne maintenant, allons chanter des chants chrétiens avec Gontran. Puisqu'on est dans le thème de la comédie musicale, Gontran, c'est vraiment original avec, avec le thème qui sera quoi exactement? Ça va être quoi la tendance? Originel, c'est le nom du spectacle. Original. Et ben c'est l'histoire. Voilà, ben c'était bien trouvé le mot original. Ça me lie à la comédie musicale. Donc je rappelle, bonjour Thibault, je rappelle à tous les téléspectateurs qui nous rejoignent maintenant. Nous sommes à Compiègne, à l'institution Jean-Paul II. C'est un grand établissement qui accueille plus de 3000 élèves de la maternelle jusqu'à la licence. On est monté dans le bâtiment du lycée général et professionnel, dans la chapelle. Évidemment, vous avez reconnu, il y a un crucifix au fond, pour retrouver le chorégraphe, le metteur en scène du jour. C'est le père Jean-Marie Luc. Bonjour, mon père. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes producteur de spectacle, vous avez votre société, Révélateur, on l'a vu tout à l'heure, et vous allez nous présenter un spectacle que vous mettez en scène avec des élèves du lycée. Ouais, j'en suis fier avec tous ces jeunes-là qui attendent, ils sont dans les starting blocks prêts à jouer, évidemment. Alors justement, on va tout de suite se mettre dans le bain, et on rappellera un petit peu l'histoire du spectacle. Rapidement, qu'est-ce qu'on va voir là dans quelques secondes? Là, on est au début du spectacle originel. C'est le tout début, on est dans le village d'Aurillac. Et là, vous allez voir les jeunes bondir sur scène. Vous allez voir ce que vous allez voir. Allez, claque, place à la musique. Allez, spectacle, c'est parti. C'est parti. On y va, les gars. Super, on continue. Très bien. Regarde la ne serait-ce pas notre cher petit Girolo Vernin? Oh, celui-là, ça se voit qu'il ne sait pas où le mène, on ne sait pas. Il a le cœur à l'envers en l'air, il répond son amour et ses prières comme un encens dans la ville tout entière. Mais qui voilà Girolo Vernin qui sourit que le temps soit beau. Mais vous grandissez à vue d'œil, ma parole. Autant que Gobert, vous voulez pas venir prier avec moi? Et c'est que j'ai d'autres choses à finir, mon enfant. Mets-toi fine et deviens une sainte. Je prierai pour vous, Jésus et Marie, pour sûr. Comme un trimard de l'au-delà, c'est notre cher petit Girolo Vernin. Si jeune et déjà, il semble parfois qu'une part de lui est déjà dans. Et voilà, ça c'était un court extrait de cette première grande scène du village, du spectacle originel. Alors ben, évidemment, on le voit tout de suite, il y a beaucoup de chants, c'est important, mon père, dans une comédie musicale. Ah ben on est en plein de musical, hein. C'est Broadway en Picardie, si vous voulez, avec des jeunes qui virevoltent. Et là, on est en plein village. Et ah ouais, ça donne, je suis très fier de toutes ces filles. Hein. Et ben on va aller les voir, ces filles, justement. On va commencer par celle qui ressort, parce que déjà, elle a une robe rouge quand toutes les autres sont en blanc. C'est Dorine. Bonjour, Dorine. Bonjour, enchantée. Vous n'êtes pas élève dans l'établissement. Vous êtes, on réexpliquera un petit peu, vous avez participé à beaucoup de spectacles avec le père et du coup, vous en faites votre métier. Désormais, vous êtes carrément dans une école de comédie musicale. C'est exactement ça. Je suis devenue en cursus professionnel comédie musicale à Bastille depuis cette année, depuis septembre, après avoir passé mon bac. Alors du coup, là, vous êtes aussi chorégraphe. Vous chantez et c'est vous qui mettez en scène ce spectacle. Ils sont comment, ces petits jeunes-là? Motivés, beaux. Fort, talentueux. Non, ils sont bons, ces petits jeunes, c'est ça. Très facile à mettre en scène, très facile à chorégraphier, motivés, tout souriants. Je pense que ça parle par eux-mêmes. Il y a juste besoin de l'image. Il y a eu finalement pas beaucoup de préparation, quelques jours seulement, et ça a été très intense. C'est ça, en fait, on avait déjà travaillé en amont ce spectacle l'année dernière. Et là, on a voulu faire un nouveau challenge. On a remonté la troupe avec tous les jeunes de Compiègne. Et effectivement, pendant 4 jours, on a travaillé à la Chénois. Et en 4 jours seulement, ils ont réussi à faire tous ces tableaux. Donc je suis très fière de vous,
très fière d'eux. On va rapidement aller tendre le micro. Mon père, rapidement, il y a déjà eu une représentation. Ils ont déjà joué une fois le spectacle. Tout à fait. On a déjà joué une fois en fin de travail. On a joué devant les parents et puis devant un petit exemplaire de personnes avisées. Mais maintenant, ils sont prêts. Ils vont pouvoir jouer, partir en tournée. On va jouer à Beauvais, on va jouer à Compiègne. Bref, belle tournée avec tous ces jeunes. Bonjour, comment tu t'appelles ? Agathe. Tu es en quelle classe ? En terminale. Alors, comme il l'a dit, tu es prête pour la tournée ? Oui, carrément. Je suis hyper motivée et c'est vraiment génial. Et justement, rapidement, cette première représentation, ça a donné quoi ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? C'était génial. On était un peu stressés parce qu'on n'avait que 4 jours, mais vraiment, au final, ça a trop bien donné et c'était vraiment cool. Bon, bah écoutez, c'est vraiment cool pour nous aussi. Merci Agathe, merci à tous. On se retrouve dans quelques minutes, Thibaut. On va parler costume et puis évidemment, on va continuer à écouter beaucoup de musique parce qu'on est quand même là pour ça. À tout de suite. A tout de suite, Gontran. On se retrouve en direct dans un instant. Les commentaires vont bon train sur Facebook. Bravo à tous ces jeunes, nous dit Valérie, tous ces jeunes de Compiègne. Et Anne nous dit un peu de modernité, dans l'église. Ça change et c'est bien. Merci. De...